Bonjour, c'est Thomas Wollersen à Rogue. Voilà, je m'apprête à introduire un nouveau concept, les bossa promenades. Je pense que mon approche musicale, elle mérite sans doute quelques explications, et même si peut-être elle ne les mérite pas, c'est éventuellement quand même des histoires amusante à entendre. Vous vous demandez peut-être comment quelqu'un à mon âge, j'ai 61 ans, je suis allemand, retraité de la fonction publique européenne, comment il se trouve dans le sud de la France, dans les Cévennes, sur le coast Blandas, à vouloir inonder le monde avec une musique qui a ses origines au Brésil, parce que c'est bien cela. La bossa nova est une musique qui est née quasiment à la même époque que moi, c'est-à-dire vers la fin des années 50, et qui, par le bonheur des circonstances, a connu un essor et un engouement mondial au point d'être repris souvent, aujourd'hui encore, comme des standards de jazz. Et l'équivalent en France, le bien connu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle vague. Et on voit quand même quelques chefs-d'œuvre de cette musique qui sort de plumes françaises. Je pense notamment à Michel Legrand, mais aussi à Henri Salvador, à rendu populaire beaucoup de musique de bossa nova, donc il n'est peut-être pas tout à fait absurde de penser que en France on a quelque chose avec la bossa nova. Moi, en ce qui me concerne, les musiques de ma génération, ça m'a jamais trop inspiré, c'est vrai. En l'occurrence, la bossa nova, c'est plutôt la musique de mes parents. Par exemple, un des compositeurs les plus célèbres, Antonio Carlos Jobim, il est né quasiment la même année que mon père. Mais peut-être y a-t-il un conditionnement de prime enfance, hein, parce que je me souviens, quand nous étions très petits, la chambre des enfants était attenante au salon, et à l'époque on écoutait beaucoup la radio. Il me semble qu'à cette époque-là, j'ai dû entendre tard le soir diffuser doucement de la musique de bossa nova à travers les parois de l'appartement. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des vertus de cette musique qu'elle peut être doucement soporifique. J'ai fait l'autre jour le test, ça a même permis à faire dormir un gamin dont poussait les dents, qui n'était vraiment pas dans au mieux de sa forme, mais donc ça peut être très apaisant. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit souvent que la bossa nova est utilisée comme musique de fond, background music, avec beaucoup d'écoute. Évidemment, c'est peut-être pas la première ambition d'un compositeur de faire de la musique de fond, mais personnellement, j'ai toujours été musicien depuis le jardin d'enfants, et j'ai souvent vécu le fait que la musique a, de par sa nature, aussi un côté utilitaire. Il y a la musique pour les baptêmes, pour les enterrements, pour les mariages, bien sûr, et il y en a pour tous les jours. Il y a la musique militaire, il y a la musique pour le travail, et il y a évidemment aussi la musique de détente, et il y a la musique sérieuse, et une musique sans doute un peu moins sérieuse, mais qui fait du bien aussi. Et n'oublions pas, les musiques actuelles servent souvent à se défouler, donc il y a un côté de catharsis qui, bon, a sans doute aussi son utilité pour les personnes qui ont besoin de se révolter. Bon, c'est pas exactement mon fond de commerce, donc moi c'est plutôt les musiques douces qui vous bercent, qui peuvent éventuellement faire oublier les... Bon, on fait
face aux aléas de la transmission directe. Si on campagne en montagne, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, je vais quand même voir s'il y a moyen de développer le charme de la formule. Je vais parler de la bossa en tant que réceptacle pour toutes sortes de choses différentes, que ce soit le jazz, que ce soit la musique dite classique européenne, avec notamment toutes les richesses harmoniques de Bach ou des impressionnistes comme Debussy, qui par le biais du jazz ont également trouvé une belle place dans cette musique brésilienne. Donc c'est un genre qui pour moi a beaucoup d'attrait, quoique parfois bon, on dit que c'est une musique un peu élitiste, mais je pense que pas forcément à juste titre d'ailleurs. Je viens de faire l'expérience avec la reprise d'une chanson française très récente, une chanson de Louane qui s'appelle « Si t'étais là ». Donc là, on est dans un genre, je crois, des plus accessibles, mais qui peut néanmoins développer son charme dans un registre bossa nova. J'ai évidemment l'intention d'explorer plus loin dans cette direction, de voir des succès populaires du moment, pour essayer d'amener des gens à apprécier ce qui plaît actuellement, sous une perspective qui a plus de 60 ans, mais qui néanmoins est très vivante. Et je sais que moi je suis pas seul, il y a plein de gens de mon âge, et cette époque, elle a un charme particulier. Je pense que c'est du jamais vu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les ponts de communication intergénérationnelle sont beaucoup plus pratiqués qu'à d'autres périodes. Je sais par exemple les jeunes gens qui aujourd'hui font leurs études scolaires ou universitaires ou qui entrent dans la vie active et qui évidemment sont très agiles avec des moyens de communication électronique, eh ben, il se trouve qu'ils ont souvent beaucoup moins de gêne à communiquer avec des gens de mon âge et vice-versa qu'on pouvait l'observer dans d'autres générations. Et c'est pour ça que, entre autres, que je me suis dit, interpréter un genre musical qui a 60 ans tel quel, évidemment, ça a son charme, mais pourquoi pas injecter également des éléments d'aujourd'hui, parce que la musique électronique, elle a beaucoup de choses intéressantes à offrir, notamment au niveau de la rythmique, au niveau également des sonorités. Et aujourd'hui, la possibilité de panacher des sonorités et des rythmes acoustique et électronique, elle est tout à fait séduisante. C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaie de développer dans mes reprises, tout comme dans mes compositions originales. Évidemment, c'est peut-être quelque chose d'assez inhabituel. Ça plaît pas forcément à la première écoute. Peut-être ça plaît encore moins si on manque de clés de lecture. C'est pour ça que ces petits bavardages en se promenant pourront peut-être aider à ouvrir la compréhension de cette démarche. Et peut-être d'ailleurs, vous vous demandez pourquoi je m'obstine à vous présenter un visuel pareil, de paysage de montagne, paysage de cause qui, sous certains points de vue, peuvent paraître assez austères en comparaison avec
les images qu'on a tous en tête, des belles créatures de plage de Rio de Janeiro. Mais il est vrai que, en tout cas, selon mon avis, que la musique de Bossa Nova, elle a toujours su apprécier la beauté de la nature, humaine évidemment aussi, mais aussi naturelle, notamment dans les musiques de Tom Jobim. Il y a toujours une place pour la nature. Et d'ailleurs, mis à part les belles créatures, si vous regardez les images de plage de Rio, ce que vous voyez, c'est avant tout la géologie. Bon, là, c'est des volcans. Ici, c'est des montagnes calcaires, des plateaux calcaires, des paysages façonnés par l'homme depuis 6000 ans, avec des traces mégalithiques, des menhirs, des cromlechs. Et le plus important dans tout ça, moi je trouve dans les paysages quelque chose qui manifestement ces bossa promenades, comme je les appelle pour l'instant, connaissent quelques difficultés techniques. Mais on va tâcher de continuer quand même. J'en étais à parler de l'aspect cognitif de la contemplation des paysages et des pierres et d'autres éléments de voilà, on est à nouveau à l'antenne, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça. Et je vais peut-être, pour le plaisir des yeux, changer de caméra. Donc là, devant moi, un petit peu ma promenade quotidienne, si le temps le permet. Le pic au centre, c'est le mont Igual, qui comporte une station météorologique toujours en activité et qui est évidemment un repère important dans cette direction. La montagne droit devant, c'est la Tude, la montagne de Mondardier, et le village que j'habite, Rogue, il est au pied des collines qu'on va là au fond. C'est un petit village d'une centaine d'habitants, administrativement parlant. En hiver, on est nettement moins nombreux. Les 100 personnes, on les a peut-être l'été. Mais c'est l'idéal pour composer de la musique. C'est l'idéal pour enregistrer de la musique. C'est l'idéal pour être en contact direct avec la nature, pour vivre au grand air. C'est tout ce que j'aime. Et c'est un village qui, malgré son déclin économique amorcé déjà il y a deux siècles, économique et démographique, aujourd'hui a quand même pas mal d'habitants, des plantations, pas mal d'artistes avec elle, et évidemment des agriculteurs qui, malgré tout, dans un milieu pas facile, essayent de survivre et surtout à maintenir un paysage façonné par l'homme depuis 6000 ans, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, ce paysage qui le patrimoine de l'UNESCO, il n'existerait plus en peu de temps si l'homme cessait d'y intervenir et maintenir ce paysage ouvert. Donc, l'agriculture a fait sa place, même si elle est assez difficile de par sa nature, mais aussi économiquement, évidemment. Mais bon, bravo à tous ceux qui continuent à porter ce sacerdoce pour
le plaisir de nos yeux à tous, parce que si nous étions dans une forêt, outre le fait que l'aspect du paysage serait tout autre, déjà on ne verrait pas le paysage à cause des arbres partout. Bon, ça viendra peut-être, mais tant qu'il y a la protection par l'UNESCO et la protection par les statuts de l'UNESCO, etc., on peut espérer que ce paysage très particulier a encore de belles années devant lui. En tout cas, moi je suis donné comme un principe d'inspiration, c'est dit d'associer mes musiques de bossa nova, que ce soit des reprises, que ce soit des compositions originales, avec un visuel qui tire largement sa source dans ce paysage. Vous verrez au fil des mois, il y aura toutes sortes de fleurs magnifiques qui vont apparaître sur ce cross, souvent très petites, mais moins spectaculaires. Et il y a plein de belles choses à découvrir et qui peuvent permettre de laisser évader l'âme, le temps d'une chanson, le temps d'une vidéo musicale. Et bon, je pense que c'est une belle alternative à d'autres façons de consommer de la musique. J'espère que vous saurez apprécier le charme de cette démarche. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas changé de caméra, puisque mon visage est à l'ombre, mais vous voyez justement mon ombre devant moi, et je marche en direction de Brogue pour retourner à la maison bien au chaud, même si aujourd'hui encore il fait plutôt tiède, pour ainsi dire, alors qu'on nous annonce encore une vague de froid sibérien pour les jours à venir et peut-être un peu neige. Je ne promets pas d'être sur le chemin de promenade avec vous tous les jours, mais de temps en temps, si le temps s'y prête et si j'ai une histoire à vous raconter, on se verra, on se reverra sans doute sur ce canal. En attendant, pour faire monter un peu la mayonnaise, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, si elle vous plaît, le plus largement possible. Et n'oubliez pas de visiter mon canal YouTube qui s'appelle Cossa Bossa, donc C-O-S-S-A-B-O-S-S-A, en cherchant au besoin, d'après mon nom, Thomas Bollerzet, et vous trouverez donc tout un ensemble de belles reprises, mais également quelques-unes de mes compositions originales sous forme de vidéos musicales. À découvrir, à partager sans gêne, et ça permettra, je l'espère, à d'autres gens à découvrir cette démarche, et ce faisant, peut-être à apprécier le charme des paysages du Causse de Blandas et alentours, et donc de découvrir ce patrimoine de l'UNESCO. J'espère à bientôt, j'espère que ça vous a plu, un de ces quatre, comme on dit. Bonne soirée.